Avec modération, ne l'oubliez pas. Mais quand même, on a appris cette nouvelle. En recul de 18%, la production viticole française devrait laisser le statut de premier producteur mondial à l'Italie en 2024. Nous allons être dépassés, nous, le vin, le sang de la France, on va être dépassés par les Italiens. Eh ben, écoutez, oui, voilà. La production viticole en France s'élèverait à 39,3 millions d'hectolitres, en recul de 18%, selon le service de statistiques du ministère. Ben là, les Italiens, ils ont eu une désastreuse récolte l'an passé. En revanche, cette année, ils seront entre 41 et 42 millions d'électrolytes. Vous voyez, ils nous dépassent comme ça, ils nous coiffent au poteau. Hein. Mais voilà, c'est quand même assez, allez, je ne dirais pas triste, mais enfin un peu préoccupant. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, alors où sont les baisses? C'est intéressant, ça doit vous intéresser. Du côté français, les baisses les plus marquées concernent les vignobles du Jura. Moins 71% sur un an, où un gel très sévère et le mildiou réduit significativement la production après une très bonne récolte 2023. Mais en volume produit, le repli le plus important touche le grand vignoble des Charentes, où la production devrait chuter de 35%. Les autres vignobles les plus touchés sont le Val-de-Loire, moins 30%, et Bourgogne-Beaujolais, qui perdrait un quart de sa production. Le mildiou et la grève et la grêle pour le Beaujolais, voilà. Écoutez, c'est quand même. Allez, on va pas s'attrister. Il y a encore du vin, du bon vin à boire. Effectivement, d'ailleurs, vous savez que dans le Bordelais, pratiquement 60% de la production est passée aux Chinois. Voilà, comme disait d'ailleurs un sage, il disait Dieu a créé le monde, mais le reste, c'est les Chinois. Eh ben, vous voyez, ça atteint même le vin, ce qui est quand même préoccupant, mais que ça ne vous empêche pas. Bientôt, c'est l'heure de l'apéro, de consommer, mais toujours avec modération. Sud Radio Berkov dans tous ses... L'argent, on en a parlé avec Tom Benoît, Michel Barnier, ça le préoccupe, hein, il dit, mais la crise est très grave, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va devenir? La Cour des comptes, Pierre Moscovici sonne l'alarme un peu tard, mais il n'est jamais trop tard pour bien défaire. Eh bien, vous savez, garder de l'argent liquide chez soi, hein, c'est une pratique très courante en France. On se dit, qu'est-ce qui va se passer avec les banques, etc. La numérisation, et le tout numérique, vive le cash, gardons un peu d'argent chez soi. Hein. Et même un certain nombre de députés européens avaient des valises entières. Oui, c'était pour garder de l'argent chez eux, hein. Pas du tout par les lobbyistes. Eh bien, méfiance ou précaution, enfin on va pas rentrer dans le détail, mais plutôt que déposer leurs économies à la banque, de nombreux Français se mettent de plusieurs années à thésauriser. Voilà, on le conserve, commode, bas de laine, on parlait du célèbre bas de laine, mais là c'est dans un coffre, ou sous un matelas, ou dans un grenier. Eh bien les Français semblent aujourd'hui préférer leur domicile aux différents livrets d'épargne. Alors, elle n'est pas interdite, hein. Vous pouvez tout à fait faire ça, mettre votre argent, vos billets, vos en monnaie sonnante ou trébuchante, ou les deux, mais attention. Si l'accumulation de liquide chez soi n'est pas interdite, elle est en revanche encadrée. Faites attention. Parce que, alors que l'argent conservé sur un compte courant ou un livret est garanti à hauteur de 100 000 euros par personne, l'argent détenu chez soi ne doit pas dépasser la somme de 10 000 euros par personne. Attention. Donc, si un jour quelqu'un, sur une plainte haute, débarque chez vous et fait une fouille, 10 000 euros, pas plus. Voilà, l'administration fiscale reste très vigilante à la circulation des espèces sur le territoire. Parce que, oui, enfin, en principe, la détention de grosses sommes d'argent liquide peuvent être révélatrices d'activités illégales telles que le trafic de stupéfiants, d'armes, le travail au noir, etc., etc. Alors, c'est intéressant à savoir, parce que ça intéresse beaucoup, et on en parlait au début d'émission, sur l'épargne des Français. L'épargne des Français, ça intéresse, hein, on cherche des impôts, on cherche à taxer, on aura plus bientôt, comme disait Michel Audiard, que l'impôt sur les eaux. Mais le montant de l'argent liquide, détenu par les particuliers français était, tenez-vous bien, de 132,5 milliards en 2012. Et en 2020, 8 ans après, la somme atteint 225 milliards d'euros, soit environ 3 000 euros par personne. Mais c'est pas comme ça que ça se passe, bien sûr. Il y en a qui ont beaucoup, il y en a qui ont beaucoup moins. Et donc, voilà, c'est risqué.
Et puis, les billets conservés à la maison, il peut y avoir des cambriolages, hein, il faut faire attention. C'est ce que recherchent les cambrioleurs. Le coffre. Et je dois dire, j'attire votre attention sur le fait que les assurances habitation n'indemnisent généralement pas les vols d'argent liquide. Faut le savoir. Donc, actuellement, donc c'est bien, peut-être, vous faites ce que vous voulez de votre argent. Et heureusement, parce que le problème de quoi ont peur les Français, on peut les comprendre, c'est qu'un jour ils aillent à la banque et on leur dit, écoutez, voilà, je veux te retirer 5000 euros. Ah, 5000 euros, non monsieur, attendez, j'ai 15000 euros, 20000 euros sur mon compte, c'est bon l'argent. Ah, non, vous pouvez retirer 1000 euros, 2000 euros, mais pas plus. Eh oui, on a vu ça en Chypre, on a vu ça en Grèce, on a vu ça dans suffisamment de pays pour qu'on se pose des questions. Voilà. Mais simplement, sachez que plus de 10000 euros que vous avez emmagasinés, c'est à vos risques et périls. Sinon, je parle à ceux qui non seulement ont nanti, mais ceux qui thésaurisent, il y a l'or, les lingots. Voilà, monnaie.